Alors, de nombreux aspects du jeu sont encore en développement. Le jeu. Très bien, allez voir les paramètres. Plein d'écran. Vous me direz quand même c'est trop fort. Je pense pas. Oh, par contre, j'espère qu'il y a du ZQSD. Nouvelle partie, en avant. Dordain, un jeu complexe, nombreuses mécaniques. Allez, commençons avec didacticiel. Alors, famille, deux frères et une épouse. Alors. Pourquoi y a-t-il une épouse pour deux frères ? On peut avoir deux frères et une épouse, époux, épouse, un enfant, deux sœurs, deux frères, trois sœurs, père et fille. On va rester comme ça, pas d'avis. Ladoslav, Veselina et Véchémir. Très bien. Continuons. Alors, recommandé pour les joueurs et joueuses inexpérimentées. Ou la Charchimonie. On va commencer là. Vous pouvez commencer votre partie en tant que province indépendante ou vassaliser directement vos voisins. Vous pouvez faire tout de même pour les autres monarques, c'est simplement leur province, attendez leurs frontières. Un test. Ah ouais, on peut commencer en ayant le monde entier. Trop bien. C'est bon, j'ai le monde entier. Suivant. Alors, scénario de départ, prise d'otage, les enfants du nectar. Ah, de la drogue, la voix de l'acier, l'exertion, l'essence de la vie. Ah, les gens sont hémophiles. Du bout des doigts, l'esclavagisme. Ok, on va dire que voilà. Aucune crise hors d'impie. Paisible et pas de modificateur. Ok. Commençons le lore. Nearly 200 years have passed since the end of the devastating religious war. The empire fell, and its former provinces eventually became barbaric. Pour l'instant, ça a l'air très chouette, ouais. The church managed to revive. Ah, merci l'Église. Merci l'Église qui amène la paix et la prospérité. Civilization. Over time. The influence of the church only grew. But history is cyclical, and power cannot remain in one's hands for long. Wars between kingdoms flare up one after another. Hunger and poverty force people to abandon. Un Rimworld qui rencontre Crusader King en quelque sorte. Cherebuska peut venir des choses comme ça. Can your dynasty unite the kingdoms and halt the advance of the Dark Ages? Je veux dire, tu peux pas me dire ça. Ça charge. Alors, le commencement de l'histoire. Norland, 2898 ans après la création du monde. Le grand empire pourpre a succombé aux flammes de la guerre religieuse il y a 200 ans. Certaines provinces sont devenues des contrées barbares et seule l'église de Mère Sophie empêche leur destruction mutuelle. Alors que les prophètes racontent que la fin du monde approche, le rêve d'un nouvel empire se dessine dans une petite province. On peut bouger comme ça. Oh, ça a pas marché! Je suis déçu, ça a pas marché!
Oh non ! Oh là là ! Moi qui voulais avoir le monde à moi ! Ça n'a pas marché, j'essaie d'arnaquer. Oh non ! Oh, mon arnaque du jeu n'a pas marché, je suis déçu. Enfin, je crois. Ah, ce sont mes vassaux ! Parfait. Alors, comment ça joue ? Ah oui, c'est le roi. Pourquoi elle a... Elle, ah oui, elle est otage. L'espoir des marchands va venir. Alors, premier pas. Si vous trouvez le clésus pour vous être dans le jeu, dans un premier temps, lorsque la question s'y prête, ces remarques, cliquez pour le premier pas. Voici quelques conseils pour vous aider. Vous avez besoin de beaucoup de bois. Construire 2 ou 3 scieries et améliorer jusqu'au niveau 3. Passage à la caravane sacrée, n'oubliez pas d'acheter de nouveaux livres. Pensez à assigner des nobles à l'étude des savoirs. Associez les besoins essentiels, l'alcool, la nourriture et la drogue. Au début, une nole fera l'affaire, ensuite un temple sur la carte. Ok. Oui, c'est vraiment débrouille-toi et en avant. Très bien, on va se débrouiller et en avant. Donc, construction, habitation. On a des chaumières, des dortoirs. Où sont nos ressources ? Nos ressources sont là. On a pas mal pour l'instant. Des maisons de nobles. Là, pour l'instant, on a quoi ? On a la grande salle. On a le dortoir. On a la maison de nobles. La maison de nobles et la maison de nobles. Parfait. Meilleur tuto, débrouille-toi. Ah, mais au moins, l'avantage... l'avantage du tuto débrouille-toi, du fait l'avantage avec moi c'est des tutos démerde-toi, c'est que comme je les lis pas, on n'est pas choqué. Voilà, on va faire 2-3 séries. Un noble, vos nobles doivent donner des instructions aux travailleurs. L'instruction se fait qu'il faut en 3 jours, puis votre mandat devra attendre. D'ailleurs, la dame s'efforce de mettre quotidiennement en jour les instructions et les bâtiments qui sont attribués, en commençant par ceux qui sont propriétaires. Là, ils vont déjà construire. Je vais les faire construire plus vite. C'est vraiment mignon. Anneau sacré, les nobles exhibent leur statut. Paris au dé négocie les arrangements. D'accord. Moi, Marmotte, il rate pas le tuto du coup, c'est ça. Alors pourquoi il râle ? Et il répand des rumeurs. C'est bon, les bûcherons. Ce sera chef des bûcherons. Oh, il y a marché. Descends, gueule-les ces branlos là. Le roi fait le tour des bûcherons. Allez, voilà, le roi gère le bois. Ensuite, premier pas, passage de la caravane séchée, amélioré jusqu'au niveau 3, d'accord. Et du bois. Ok, ça améliore, c'est bien. Pour l'instant, ça part pas en couille parce que c'est le début.
Là, lui, il se tape des super lits, et eux, là, ils ont des vieux lits dortoirs. Fallait mieux être noble à l'époque, hein. Alors, échange-les. Va chez Mir, va échanger. Fanatique, nectar romane, loyaliste. Terrible. Pour connaître les rapports, cliquez sur l'onglet relations. Alors, faites le rapport des onglets, ok. Pour les relations, ok, c'est que le début. C'est quoi tous ces gens qui arrivent? Oui, bonjour, vous désirez? On a envahi. Sur son seigneur, Carmen aussi délivre des esclaves. Ah, de la vente d'esclaves. Protégé et géré par l'Inquisition, elle visite une cité tous les 2-3 jours. Pensez à acheter des livres à la caravane grâce à l'icône du livre. La longévité retarde le vieillissement de 10 jours. Voilà, j'ai acheté des livres. Ensuite, il disait... On devait mettre comme ça. Premier pas, pensez à signer des nobles à l'étude de nouveau savoir la bibliothèque. Peut-être qu'on va devoir faire une bibliothèque. Ah, la bibliothèque. C'est vraiment mignon le jeu comme ça, je trouve que ça rend vraiment bien. Ok. Ah, je connais ce jeu, c'est Rimworld. Non, c'est pas tout à fait Rimworld. Mais c'est vrai qu'il y a une vibe très Rimworld, médiéval, enfin fantastique. Elle va réfléchir, mais va travailler au lieu de réfléchir là. Ah, j'ai des sans-abri. Et ça commence le bordel. Pour deux paysans et paysannes, oui, vous allez dormir dans des dortoirs et puis quoi encore? J'en ai entendu des conneries, genre... Allez, on va le mettre là, tiens. Voilà, comme ça, allez construire tout ça, là. Les sbires. Les pécores. Merci de construire tout ça, s'il vous plaît. Ma bibliothèque, n'oubliez pas. Et c'est pas parce qu'il fait nuit qu'on arrête de travailler, hein. Il y a quoi qu'on pourra produire? Armure lourde, onguent, épée, hache, masse d'armes. Statistiques, pas dingue. La guerre. Et la dynastie. Et... savoir n'est pas commerce et monde. Très bien. Alors, salaire payé, ressources produites, bien vendues, ressources investies. Oui, on perd de l'argent, mais c'est pas grave. Pas de souci. Oh, mais voilà, voilà, ça dort par terre. Sur Maltel, ça dort par terre parce que ça n'a pas de maison. «
Je crois que le studio est constitué en partie par Dex Modder de Rimworld, mais je retrouve pas l'info. Ah, possible. Ce serait pas déconnant. Ça va très bien, ça, très bien. Ce serait pas déconnant que ce soit des anciens modders de Rimworld. Hâte qu'il y ait un mode stream, vous pourriez vous... Ce sera le nom de personne qui regarde le live. Oh, j'en reviens pas, ces gens qui dorment, quoi. Il est 4h du matin et ça dort. Franchement, on se plaignait à l'époque de la qualité de vie, mais au moins 4h du matin, on nous laissait dormir, hein. Elles n'avaient pas de chat, c'est pour ça. Elle est où, là, l'épouse? L'épouse qui a disparu. Produit d'acheter les esclaves, c'est la question que je me pose. Hein. Où l'épouse? Pourquoi j'ai des soldats qui dorment par terre? J'ai perdu mon épouse. Ah si, mais elle est juste pas mise, d'accord. Elle est là, mais elle est pas mise, ok. Ah non, elle est où? Pas moi. Elle s'est barrée. Pas content, pas content. Elle souffre terriblement. Ben, si vous alliez construire aussi là, hein, le dortoir, il s'est pas fait en un jour, hein, c'est comme Rome. Mais oui, je veux construire la bibliothèque, mais ça branle, s'en fout pas une, s'en fout pas une. Là, on passe des drones dans The Crust à Bob le bricoleur qui est pas foutu de construire une bibliothèque en moins d'un jour. Alors qu'ils sont trois. Ah, c'est bien les deux frangins qui se baladent ensemble en sautant, caressant le torse, en se mettant de l'huile tous les deux. Ah, ils s'aiment. C'est bizarre. Avec le petit smiley, c'est bizarre. Je pense à des trucs chelous. Ah oui, c'est sa partenaire qui est en captivité. Dans la bibliothèque, ça. Eh ben, là. La Slack à nouveau, j'en étais sûr. Crée pas de bibliothèque, pas de dortoir, nanani, nanana. Bromance. Entre frères, bromance, c'est louche. Enfin, cela, encore une fois, ne me regarde pas. Alors. Ah, ça y est. Ça va au moins commencer la bibliothèque un peu. Pas trop tôt. Je vais y attendre. Alors, comment ça marche les livres? C'est que les Sam et les seigneurs débloquent leur savoir. Il faudra qu'ils aillent tout seuls dans la bibliothèque. Voilà, ça crée le dortoir quand même.
J'ai pas vu Gladius le premier fois, mais si Orolam. Et pourtant. Il a montré une parodie. Si Gladius samedi. Ils passent leur vie ensemble, les deux frères, hein, c'est louche. Pourquoi ils vont visiter la chaumière des paysans? Mais c'est bizarre. Alors, les nobles libres sont des personnages qui ont été désavoués par leur famille ou qui ont quitté. Ils arrivent en même temps que les caravanes sacrées se mettront en votre service moyennant des anneaux sacrés. Les nobles libres, en attendant d'être engagés, le patient devant l'entrée de votre grande salle, le contrat durera 2 jours, ensuite le seigneur ou la dame partira, attribue aux nobles libres n'importe quelle tâche. Il était intégré à votre famille et lui accorder un titre. Ok. Ah oui, d'accord, tu peux anoblir des gens. Très bien. Il reste de la place là ou pas dans le dortoir? Non, il va encore devoir faire. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent. Alors. Ensuite. Des premiers pas. On peut signer les nobles. Ah, s'éduquer. D'accord. La philosophie. Sociale, épouser, conversation philosophique, fâcher du lourd, passer du temps ensemble, défier au duel, d'accord. Punir. Soit un échafaud, pardon. Alors attendez, on va. On va l'engager. Et ouais, donc il y a vraiment beaucoup de choses un peu à la Rimworld. Attendez, je vais aller un peu moins vite. Du coup, on veut construire. Bah oui, on veut construire un tas de choses. Alors, les services. Temple, c'est trop cher. Une idole. On veut construire une rade à nectar, un lion du nectar. Bah non, c'est de la drogue, ça, on est contre. Taverne. Ils vendent de l'alcool. Il faut de l'alcool, sinon les gens ils vont tirer la gueule. À côté du temple. C'est nécessaire. Il dit quoi dans les premiers pas? Nourriture. Attendez, ressources, nourriture. Champ de rutabaga. On y cultive du rutabaga. Construit un peu tout, hein, comme on découvre. Production, brasserie. Alcool. Dessert aussi. Service, armée, caserne. Ouais, d'accord, voilà, il faut une caserne. Ça donne vraiment l'impression d'être le côté un peu tuto. Tiens, tu peux tout faire. Et des routes n'ont pas besoin. C'est vraiment ce côté, tiens, tu peux tout faire au début, essaie de tout faire pour voir les possibilités du jeu. Mais t'inquiète pas, Rolam, le planning va être respecté. Problème, il nous faut des casernes au lieu de prière, des ventes professionnelles, pas de production d'école, pas de production de culture. Une seigneur ou dame n'a pas d'appartement. Et c'est bon, ça arrive. On est sur le projet. On est sur le projet, ça va le faire. Ouais, ça donne un peu l'impression que c'est la première game, il donne ressources infinies surtout pour que tu testes le jeu.
joie enfantine. Bah, 29 ans, hein. Félicité. Légère fatigue sans abri. Très bien. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance, alors que j'ai testé l'autre jeu de Turing que vous avez cité plus tôt. J'ai joué à The Crust juste avant. Et nous, on a parlé de Satisfactory et de Factorio. Rimworld. Pardon, Rimworld. Rimworld. Non, t'inquiète pas. J'ai mis du temps à le retrouver. Il va falloir bosser un petit peu plus les sbires là parce que ça s'avance pas. Protection de la famille de l'étreinte. Il y avait vraiment d'avoir beaucoup de choses. J'aime bien le côté où il faut que les personnages s'instruisent, que t'as pas de science, mais il faut que les personnages aient un peu de QI. Ok, patrouille de nuit, patrouille de jour. Par contre, c'est... tu sens vraiment par contre que là, c'est de l'early access, early access. Tu aurais donné accès un peu tout au début, t'as pas tant de possibilités que ça. On va voir un peu comment joue la guerre. Mais ouais, t'as l'air d'avoir pas mal de petites possibilités, cool. Morlaigri, ok. Astuce pour améliorer le combat, laisser une nouvelle recrue s'habituer à la réalité des combats, ok. Les soldats récupèrent leurs armes dans les dépôts, veuillez patienter. Je patiente. Ouais, c'est vraiment joli. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se développer le jeu. Il est très intéressant. Il est très intéressant. En garnison. Marrant. Ah, et du coup, ça bouge bien en temps réel avec tout le monde. Ok, 44 ans, les neutres, avec tous les vassaux, les gens qu'il y a, 329 de thunes, l'armée en garnison et tout le reste. Ok. On peut faire des actes malveillants. Je peux cambrioler la grande salle. Ah zut, je vassale, c'est vrai que tout le monde est mes sbires. Oh, il y a une sorte de château dans l'eau, là. J'ai oublié que je vais vassaliser tout le monde. Je vais voir comment se gère l'alcool et compagnie. Le petit champ de Rutabaga. Et main d'œuvre automatique, si c'est bon. Main d'œuvre, c'est bon.
aller plus vite. Ah oui, récolter le seigle, caserne, personne étudie le livre, il n'y a aucune production d'alcool. Ça arrive. Compris les livres commencent à marcher. Comment je peux signer des nobles là? D'en savoir peut-être? Ah. Eh oui. Si je n'étais pas trop con. Eh oui, j'étais juste turbo débile. D'accord, t'as tous les bouquins là, tous les savoirs. Ok, c'est ici que ça s'apprend. Bah oui, mais voilà, si seulement j'avais pensé à cliquer sur le bouton savoir. Tu c'était plus malin. On va prendre à faire de la bière. Vous inquiétez pas, vous stressez pas, la bière arrive. En même temps, le bouton savoir, savoir, savoir pas. Cliquant sur le personnage, vous pouvez donner l'ordre direct. En cliquant sur l'ordre de tâche au-dessus d'un menu d'un personnage, vous pouvez lui donner l'ordre d'accomplir une tâche directement. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, il y a ça là, genre apprendre un livre, forniquer. Eh. Alors attends, il faut que je lise ça, c'est nécessaire. Cliquez ici pour interrompre les actions en cours du seigneur et la dame et l'envoyer payer un paysan ou une paysanne pour combler son besoin de forniquer. Payer un paysan ou une paysanne pour avoir des relations sexuelles considérées comme un péché et commettre un adultère sur mes mariés. C'est le personnage de marié, pardon. Les conséquences de cet acte peuvent être pires que celles d'un besoin fort de forniquer. Voilà. Hein? Allez. Il a pas le choix, le petit Lodoslav. Hein. Il a envie. Coucou. Viens, je te donne de l'argent. Oh là là, oh là là. Ah oh, évidemment, le petit Peggy 18, oh là là, tant d'amour. Avec les petites scènes et le petit floutage. Eh ouais. Bien sûr, hein. Merci beaucoup. Ah là là. Bah, sa femme est en otage, pas le choix, hein. Bientôt année héritier, les bâtards se promettent de grandes aventures. Exactement. Robinob est d'accord avec ça. Robinob est d'accord avec ça.
Comment ça, les bandits de la forêt? Faisiez-vous citer votre village, prendre les devants et rassembler une armée pour attaquer le camp ou les soudoyer dans le menu du camp sur la carte monde? Ils sont les bandits? Tes voisines sont machin sur la map. Amitié, neutralité, hostilité, animosité. Attendez, ils sont où les bandits? Pause. Ambition du monarque. Le monarque a décidé qu'il est temps d'annoncer ses ambitions. Elles auront un impact considérable sur l'avenir de votre famille. La puissance grandit en même temps que la population. La conquête. Ah bah ça y est, c'est bon. J'ai déjà 26 vassaux. En revanche, les atteintes morales seront plus haut. Parfait. Eh. Alors, quand des bandits de la forêt attaquaient. Et attendez. Du coup, tu cliques dessus, t'assignes. Assigner, attaquer, sur la carte locale, escouade Velador, chance de victoire 29%, c'est parfait. À l'assaut! ⁇ 29% c'est 100%. C'est bien connu. Ah, ils lisent tous les deux. Cette excès journalière. On ne négocie pas avec les bandits. Ni avec les terroristes. Bon, on a un peu de tout. Parfait. T'es pas mieux armé que toi aussi, pourquoi? Je vais voir si on verra la bagarre à un moment donné. Ah, il y a une bataille sur la carte. Vous savez, il y en a déjà un qui est mort. Il s'endort d'épuisement. J'ai perdu la guerre parce que les mecs avaient pas assez dormi. La vie c'est de la merde. Et merde, j'ai perdu la vie de ma femme. C'est la merde. C'est sous contrôle, hein. Ah, dans 3 jours, je l'ai soulevé.
Non, voilà, tout ça parce qu'il a perdu sa femme. Il se sent triste. Ouais, c'est pour ça qu'il picole, du coup. Bon, ceci dit, le fait de perdre sa femme, dont une native devait avoir, de l'avoir secouru dans un nouvel enlèvement parce que les soldats étaient trop fatigués. Ouais, bah, incapable de bouger. Il va pas. Dormir. Ah, la gnôle. Maintenir à 10. Nécessaire. Voilà, ça fait plus grand chose. C'est l'armée digne de Camelot. En même temps, il y avait un lapin. Il y avait un lapin adulte. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Il y avait un lapin adulte en face. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un lapin adulte? C'était mort. Lapin adulte, c'était mort. Il n'y avait rien à faire. Hein. Je suis désolé. Mais plus personne ne pourra apprendre rien du tout. Ah oui, par contre, les mecs, quand ils apprennent, c'est à la frais, à la détente. Hein. Lapin adulte, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez faire contre un lapin adulte? Vous avez déjà vu un lapin adulte? Il y en a à faire contre un lapin adulte. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce Northgard. Il est vraiment très, 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 très cool. Encore un jeu, hop, à faire en 1.0, quoi. Open Holy Grenade, oui. On s'appionce bien. Je trouve vraiment joli le jeu dans le style. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté en mode tiens, prends tout. C'est la première game du tuto, prends tout ce que tu peux prendre. C'est pour ça que j'ai hâte de voir un truc où c'est, où t'as un peu moins de ressources au début. Autosave. On va aller jusqu'à l'attaque des bandits. Voir comment ça se danse. Mais par contre, t'as pas vraiment pas de milliards de trucs à gérer, donc c'est assez chill. En tout cas pour l'instant. J'imagine qu'ils le complexifieront avant le temps. Alors, le rêve impérial. Unissez 15 provinces pour votre contrôle d'un état de province vassalique ou une alliance. Imposez-vous comme le nouvel empereur. Progression avec le créateur, unissez 15 provinces du Nordland dans votre bannière. 23. Oui. Alors, des terres fertiles en haut à gauche. Seigle, j'en avais pas avant. Pardon, excusez-moi. On connaît pas le seigle ici. Ah d'accord, reste tout ça qui est pas disponible. D'accord, ok. Ok, ça ne sont pas des bandits, des voleurs et des soulèvements.
Pas besoin de soulever des gens. Tout le monde est heureux. Regardez, pense au bonheur. Il y a aussi plusieurs Kaiden, les Kaiden étaient des barbares qui veulent la frontière, valeur, force, xénophobe, bonus de production, savoir stratégie militaire. Ok, t'as également, il y a vraiment beaucoup de petits trucs à gauche, à droite, qui rendent très très bien. Alors. Quand Dragon, tu fais partie de votre royaume. Ah! Et merde, c'est la rébellion déjà! Au pleutre assassin, les vertus de plus en plus ingénieurs sont pas le croire de la fierté, aucune trace chez vous, je ne vois qu'un voisin frileux. Comment ça me considère comme un lâche? Mais pas du tout! J'ai plus d'armée! Ça n'a rien à voir avec la lâcheté! Ah! Ah merde, je contrôle trop de provinces pour revendiquer le trône impérial. Oh, petit bug. Mais non, on était 26, on est 22. Un peu moins. Un peu moins. Un suzerain dont l'armée se réduit à 5 ploucs qui s'endorment au combat, ça impose peu le respect. Non mais Rome s'est pas faite en un jour, hein. Rome s'est pas faite en un jour. Par contre, mes mecs, c'est pas les plus... pas les plus futés, hein. C'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Genre, tu leur demandes de livrer un livre, ça fait 3 jours qu'ils sont dessus, ils pensent qu'à un truc, se mettre en couple. Et l'autre qui pense qu'à... qu'avec sa bite tout le temps, la Véchémire à 32 piges. Compliqué. Pas les casseurs les plus utiles du barrage. Ah, ça c'est clair. Pas les pingouins qui glissent le plus loin de la banquise. Qu'est-ce que vous foutez là? Va chercher son salaire. Et je vous paye. Et on vous paye. Comment ça, vous avez tout cherché votre salaire, là? Mais d'où vous êtes payé? Et en plus, vous avez tout dépensé en alcool, ça sert à quoi que je vous donne? Mais voilà, regardez, je leur file de la thune, ils vont le dépenser en alcool. Voilà pourquoi faut pas payer les pauvres. Voilà pourquoi faut pas leur donner d'argent, ils en font n'importe quoi. C'est pas possible. Ça se passe, là, qu'est-ce que tu fais? Bim, tu leur donnes de la thune, ils vont le dépenser au bar. Autant pas leur donner d'argent quoi pour qu'ils en fassent ça.
avant cette histoire d'apprendre à faire du seigle ou pas? Champ de seigle et moulin, oui, d'accord. Ah, mais c'est la merde. C'est toi des maris. Ah. Ah. Alors en fait, on en est au moment donné où ma dynastie va s'éteindre parce que le roi ne trouve personne avec qui se marier parce que tout le monde le déteste trop. Seems legit. Ah ouais, il faut du cul vite, Satan. Je suis bien d'accord, mais problème, c'est le seul truc qu'on propose, c'est que lui, il aille chez une paysanne. Après, ça marchera peut-être. Hein. On va réessayer, là, à 3h du matin. Non, mais il est quand même l'époque, 3h du matin, il va chercher une paysanne, il dit, tiens, prends cet or et viens. Belle mentalité, hein. Belle mentalité. Incroyable. Tout va bien. Ouais, solitude modérée, je comprends. Versus une reine versus chat paysan. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas ça, mais... Où ils sont fatigués? Ouais, il faut qu'on produise plus. C'est ça. Bon. Tout ça pour dire qu'il faut aller un petit peu réfléchir aujourd'hui maintenant. Bah, ils vont prier, ils sont contents. Et par contre, vous voulez pas apprendre avec le seigle? Ah, c'est pas con le dépôt. J'ai pas pensé. Ouais, après c'est bon là. Tinder à l'époque, on appelle ça le bar. Alors, le rêve impérial, la bataille finale. Alors, la carte d'Atlante se déplie. Je vois 15 monarques qui m'obéissent et me respectent. L'heure est venue de réclamer la couronne à défier l'église de Sainte-Sophia. Quand l'élection écrasera, le monde entier doit accepter l'existence de mon empire. Lorsque vous te rappelez proclamer la création de votre nouvel empire, élimine la question sur le champ de bataille pour tenir le titre d'empereur ou d'impératrice. Agnostique, loyaliste, fanatique, il est nectaromane.
Très bien. Elle est comment, notre armée ? Ah. Elle est pas là. Ouais. Bien. Non mais tu vas bien se passer. Je pense que c'est une bonne idée d'aller chercher le trône impérial. On va voir ce que ça fait. Oui, nous allons prendre place sur le trône impérial, car le monde entier... ne fait que m'aimer. En vrai, je trouve vraiment le jeu trop bien fait. Il vient de sortir, donc il est vraiment en early access. Mais ouais, la 1.0 serait incroyable. Ça fait vraiment penser à un Rimworld avec moins de choses dedans. Moins complexe. Comment ça, Valchimir est de mauvaise humeur ? Ton moral. J'ai couché qu'un peuple, un membre de ma peuple, la honte. C'est qui Rakortep? Bon. Hein? Ah, c'est l'évêque? Un invité, ok. Moi, je trouve ça plus chill que le Rimworld, oui. Alors, tenter de capturer le personnage lorsqu'il dort. L'exiler. De vin, tué, empoisonné. Ok, marrant. Oh, regardez, on a même des troubadours. Un sans-emploi qui joue de la musique. Ah, lui, on sait ce qu'il a fait comme première année à la fac. On a plein d'invités. L'inquisition est en route. Pas de problème, on va la gérer. L'église n'est pas cette fête. La matriarche en colère après vous l'a mis en place un embargo sur des biens capitaux vendus. Les pratiques sont mécontents. Essayez de faire plus de serments dans les temples, améliorer la relation entre le monarque et l'évêque, détruire des camps de bandits, effectuer d'autres tâches sacrées partout dans le monde. T'en fous de l'église. On va la soulever, l'inquisition. De bonne grâce à la matriarche. M'en fous. Et on est où, nous? Chef de bandits soit devant des esclaves. Et nous, on est là. Il se passe un plat de petits trucs sur la map, des menaces. Alors, la relation avec le matriarche débute lorsqu'un évêque rejoint. Ouais. La couronne cesse de vendre, la visage est neutre. Ok. Elle a le cœur brisé, pourquoi?
À la fin, bah mange. Le fameux Slashword m'en fout de l'église, c'est une valeur sûre, j'avoue. Il allait le faire, l'Inquisition. Qu'est-ce qui dort là, là? Pourquoi il dort chez moi? Très bien. Versailles, même culture. Pareil en même temps, oui. Ok. Rapport économique, m'en fous. Alors. Non, mais moi, sans de relation avec la matriarche, c'est normal. Vu qu'on vient de déclarer de faire sécession à l'église et d'avoir un empire. Tu vois bien? Tout va bien. Tout le temps ensemble, et bah. Ah, pas encore assez. Au 23. Voilà, c'est bon. Ladoslav, action. Non. Je cherche. Hein. En dynastie. Non, c'est pas là. Je découvre. Pourquoi les paysans n'ont pas de pseudo? Est-ce que tu donnes un pseudonyme à ta fourchette ou à ta cuillère? Non. Tu vas en donner aux paysans non plus. Non. Je vais voir, peut-être par là. Je vais arriver. À bientôt. Ok, ou l'intérêt, mais pas l'estime, d'accord. Oui, ok, il manque un peu d'estime encore. Ok, il manque un peu d'estime. C'est-à-dire que Marmotte est autorisée à mettre tous les condamnés indépendants son autorité au paramétrage de la partie, puis l'a perdu face à des bandits par manque de sommeil et tout le monde a fait sécession. Oui. Ladoslav a des sentiments amoureux. Terrible. Elle a bien vite, 5 jours après que sa femme ait été, 4 jours après que sa femme ait été tuée par des bandits, il l'a bien vite oublié, le petit Ladoslav. Hein. On n'avait pas le temps à l'époque. Ah yes, on a enfin obtenu le savoir. En doublon et de bière. Eh ben, qui peut réussir à faire ça? Oh la vache, on a enfin réussi. En doublon et de bière. Voilà.
Est-ce qu'il y a des sans-abri ou plus? J'ai des sans-abri, moi. Ah, il y a un sans-logement. Terrible. Un jour égal une année dans le jeu. Ouais, je pense que c'est un jour égal à une année, oui. C'est quand qu'elle arrive, l'Inquisition espagnole, MDR? Où est des primes, la vache émir? Oui, il a peur de tout, oh là là, va prier, arrête de te plaindre, oh, c'est pas possible. Comment ça, Geola qui se rebelle aussi? C'est la merde. Les gens se rebellent. Hein. Bah c'est bon, on est sur le projet, Seb les houblons, là. Bisous, Olam. Ou la Doslav, attendez. Action sociale, passer du temps avec Eba. Ah, il peut même tenter de la séduire. Tente tout, donne tout, c'est pour toi. Vas-y Eba, tentez tout. C'est maintenant ou jamais. Alors ça donnait quoi? Ah là là, le 26 qui passe. Bim, on peut lui accorder un titre. Incroyable, c'est bon, elle va rester chez nous comme ça. Parfait. Content là. Désir sexuel moins 8. Mais arrête, calme-toi. À épouser. Eh bah, parfait. Or, Juvrain ne fait plus partie du royaume. Non, mais c'est pas grave ça. Un peu chiant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Avoir un héritier. Parfait. Très bien. Bah, pour fêter ça, elle va picoler. J'aime bien les femmes indépendantes. Ouais, pour fêter le mariage, on va picoler. Et après, allez étudier, s'il vous plaît.
Le jeu, elle est vraiment cool. Ouais, de ouf. De ouf. Ouais, elle est vraiment très plaisant. Ça va, il est relativement intuitif. Après, il doit s'améliorer, mais il est relativement intuitif et il a plein de trucs très chill avec. Oh, il y a un loup. De 24 ans. Non, ça vit vieux les loups. J'ai l'air énervé. Alors. Bon, du coup, lui, il est là, ils sont contents. Pour elle va mieux. Lui va déjà mieux. Ouais, la personne a se fait duire. Oh, terrible. Je sais pas ce qu'ils font ces gens chez nous. Ah oui, c'est vraiment par contre qu'on apprenne à lire. Hein. Enfin, que mes persos, je... Bon à savoir, la prochaine fois que je fais une game de jeu, prendre des mecs. Ah, les seigneurs et les dames comblent ce besoin au quotidien. Avec des meilleures stats en apprentissage. Alors, en intelligence, là, la prochaine fois, je prends des mecs intelligents. Complètement faux. Prochaine fois, je prends des personnes intelligentes qui savent lire un livre en moins d'une semaine pour apprendre des trucs à la con, quoi. Ah là 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 là. On ne tue pas les gens, on ne tue pas les gens. Mais bien sûr qu'il faut savoir lire, là. Ils lisent pas ces branlos. Ça dégoûte. Fasse gaffe qu'ils se posent des questions, ceux qui choisissent. Arrête de déprimer, mais je peux pas le marier, personne veut se marier avec toi, t'es trop moche. Voilà, j'apprécie pas suffisamment. M'apprécie pas suffisamment. Même si je vais me marier, je pourrais pas. Personne ne t'aime. T'es tellement moche, personne ne t'aime. Donc on peut pas te marier avec toi. C'est impossible. Moi je l'aime, ouais ben. Moi je dis que c'est l'oncle vieux et gênant qui va disparaître, hein, s'il y a un héritier. Ou une héritière. Je démarre, je sais pas pourquoi tu squattes chez moi. Ah, c'est ça.
Et pour la prod. On va faire plus de maisons nobles. Oh, j'ai plus de bonheur, il me faut la mine. Mais oui, mais ils sont tellement teubés. Nos persos sont tellement cons que j'ai même pas eu le temps de lire pour la mine. J'avais oublié ça. Je comprends pas pourquoi les gens ils m'aiment pas. Au moins ça, y a pas trop de gens qui sont partis. La matriarche, elle est pas là. Hein. Des bisous Murtags. Ah, la cérémonie pour le mariage, elle est aujourd'hui. Voilà, ça va rendre les gens contents. Économie. Qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez bosser sans qu'on soit là pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, je pense savoir pourquoi j'ai thune infinie. Parce que j'ai choisi tout le monde en vassal, donc tout le monde me paye un tribut. Je pense que c'est pour ça que j'avais autant de thunes. Je suis en train de me dire. Quoi? Quoi? Les paysans quittent votre cité ou tombent dans la criminalité? Quoi? Il me faut des gardes. Ah mais je peux plus faire de patrouille de gardes, j'ai plus de gardes, ils sont tous morts. Ah oui, ils ont été capturés par les bandits, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit problème avec les bandits. C'est vrai que j'ai oublié que mes trois gardes ont été capturés. Un peu la merde, mais vite fait. Ah, c'est quoi ça? Attendez. Ah, c'est l'Inquisition? Mais ils sont plus de 30. Amour et trahison, un personnage peut s'y prendre à autre si.
Ah, je crois que Ladoslav est mort. Allez, Vechemir, venge-toi. Alors peut-être que l'Inquisition est un petit peu plus vénère que prévu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. On est sur les versions... Ah oui, 03, on est dans le très longtemps. Oui, du coup, je commence avec tout ça. Père et fille, avec masse truc. Le père de 25 qui a déjà 3 gamines, manières, tout ça. Trait de personnalité... Faut choisir le truc de départ. On peut choisir le scénario, prise d'otage, les voies de l'acier. Peu l'humidificateur, hors d'un pis. Ouais. Et là j'étais en difficulté paisible. Hein. Bon après j'ai fait un peu le fou. Non mais super sympa ce... Ce Norland, alors bon, du coup, il y a tout qui est pas. Tout n'est pas fait dans le jeu. Hein. Le jeu n'est pas. Le jeu n'est clairement au tout début, du début de son commencement, enfin, du potentiel du jeu. Mais du coup, il est très très cool et il est à suivre. Il est clairement à suivre et en tout cas, il est bien plaisant. Il y a effectivement ce petit côté Rimworld, mais en plus facile avec un peu gestion de la diplomatie, tout ça. Et un peu plus de bagarre. Et ouais, j'aime vraiment bien ce Norland.